Genre, nouveau teasing, encore une fois, la vidéo est de bonne qualité, je vous baise. Et je suis dans mon lit, qu'est-ce que t'as? Tu veux te battre? J'en ai un nouvel indice, ça y est, ça se trouve c'est sorti depuis je sais pas combien de temps. Mais c'est important que je fasse cette vidéo parce qu'il y a pas mal de trucs à voir. Donc voilà, je vais vous montrer. Coucou. Ah, je sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà, donc je peux pas vous montrer l'image complètement. Mais je peux pas vous aider à savoir ce qu'il y a. Donc en gros, il y a écrit, il y a déjà la tête du robot qui est là. Et vous le voyez pas parce que je suis trop avancée. Et je suis en pelouse. Voilà, cette vidéo est de bonne qualité. Je veux vous le dire. Mais la première chose qui m'a choquée, c'est que c'est une fan de Lucio. Nous ne le savions pas, mais Fiola Delay est une fan de Lucio. Il y a deux preuves. Il y a écrit Lucio House tout en bas. Et là, il y a le, vous savez, le tag. Coucou. Le tag Lucio, là. Avec ses céréales. Et ben, elle en mange, les chats. Les gens. Elle en mange. C'est-à-dire qu'elle est fan. Oui, donc qu'est-ce qu'on peut écrire? Il y a écrit Orkins Chassis. Donc, les robots que vous avez vus détruits à l'aéroport de Numbani, ce sont des Orkins, donc ça va à peu près ressembler à ça. Enfin, ça se sert du même prototype. Alors, Branford Arm, donc c'est une arme spéciale. Il y a un petit dessin à côté. Genre une espèce de matrice. Mais vous voyez pas, mais je suis trop con. Attendez, là, il y a les couleurs. Voilà. Ensuite, j'ai écrit Fusion Driver. Donc, ça veut dire qu'elle fusionne avec son créateur. Donc, on va peut-être avoir le droit à un mecha, finalement. J'espère pas, je pense pas, mais voilà. Il y a écrit Miniature Tobelstein Reactor. C'est sûr qu'il aura des réacteurs, ça va être génial. La peinture, donc ce sera du marron clair, marron foncé, marron clair, du vert et du jaune. Du jaune, c'est ma couleur préférée. Dédicace à Oscar, je vais me faire tuer. Et alors, la barre Axiom Vocal Processor pour l'interrogation. Et en tout petit, il y a marqué Can't It. Qu'elle voulait faire des voix, mais elle ne peut pas. Et Lucio O avec un signe. Je sais pas si vous allez le voir, voilà. Normalement, vous le voyez. Voilà. Le petit signe de Numbani, je crois. Je ne suis pas sûre. Et donc, comme je vous l'ai dit, au contour, on a des céréales, on a une règle. Avec écrit Xium. Ou à l'envers, ça fait Wogs. En bas, on a une petite création. Et là, on a écrit. Il y a écrit 5-19 sur la clamoulette. Je sais pas si vous voyez. 5-19, c'est pas là par hasard. Je peux pas aller voir là maintenant. Mais sur, par exemple, le flingue de faucheur, il y a un nombre. C'est la première chose que ça m'a fait penser, hein, bien sûr, mais ça se trouve, c'est pas du tout ça. Ou alors. 19-5, janvier, février, mars, avril, mai, sortira le 19 mai. Ce qui n'est pas possible. Ou alors, Doomfist sort le 19 mai. Je vais pas finir la vidéo ici. Autre chose? Une belle tête. Il n'y a rien d'autre. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc bien sûr, rien n'est officiel. Enfin, ce qui est officiel, c'est que demain, Fiola Delay sort. C'est quasiment sûr, j'ai eu une méga mise à jour qui m'a pris 2 heures. Enfin, une mise à jour en fond de tâche. Du coup, ça m'empêchait pas de jouer, mais voilà, c'est une énorme mise à jour. Donc là, ça va être de blabla. Vous pouvez quitter la vidéo si vous aimez pas les blabla. Et donc, oui, ça va être complètement Fiola Delay demain. C'est quasiment sûr. Alors, comme je l'avais déjà dit dans. Allez voir la vidéo sur le premier Fiola Delay. Ma première vidéo sur Fiola Delay, où je parlais de ce que je voudrais. Et je pense que si ça a des réacteurs, ça peut vraiment aller très très loin. Et pourquoi pas? Je regarde juste un petit. Putain, ma tablette, qu'est-ce que c'est qu'elle. Ah oui, non, mais je vous dis, cette vidéo est très très bonne qualité, hein. Mais parce qu'il y a mon pote qui m'a envoyé Ifiola Delay, etc.
etc. C'est grâce à lui que vous avez cette vidéo d'ailleurs. Merci à toi, Gilles. Tu te reconnaîtras, mon petit Gilles. Oh, l'écran bleu. J'ai mon Twitter pour voir s'il y a des news. Et donc voilà, et sur la délai quasiment certain. Si vous pouvez vraiment vous me dire si jamais vous reconnaissez ce nom, je crois que c'est 195, voilà, si j'ai bonne mémoire. Vraiment parce que il me dit vraiment quelque chose. Après, j'ai des nombres sur Overwatch. Bon, il y en a un peu partout, tu vois, mais. Hey, regardez ça, haha. Tous ceux qui sont au carnaval de Nice. Overwatch RFR, il n'y a rien, mais le vrai Overwatch. Genre. Overwatch, il doit avoir Twitter, non? Overwatch. Ah non. Ah, Play. Voilà. Genius, Green Shemshen, on nobody local, if you can do that. Post your image on a other channel, they claim time to get to work. C'est ça. Le grand génie qui a participé, qui a gagné le truc de Numbani, donc il fiole la délai, poste une curieuse image sur sa chaîne ou le vide, je crois, déclarant il est temps de se mettre au travail. La hype! Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais pas éterniser déjà que vous avez tous quitté la vidéo. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo demain, parce que demain, je vous présente le perso sur le PTR, si possible, parce que demain, j'ai pas mal de taf. Encore merci d'être 100 abonnés. Ça me prend pas mal de taf. J'ai fini deux tournages qui sont en montage. Et il faut que je commence deux ou trois autres tournages. Petite hype aussi, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous êtes des vrais abonnés. Je vais finir avec ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Un court métrage est en phase d'écriture. Ciao, l'hamster!